because everything will change. Do you want to kill or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. We couldn't do anything. My life is my choice. It's been so long. Ils nous mettent au cafard tout le temps maintenant. C'est beau, quelques années auparavant. Ouais, ils se mouillent plus, hein. Ils se mouillent plus au niveau de la temporalité. My people and I, when I had people, we were approached by one of them. They proposed a resource extension. Onion rings. That's limited. Non, c'est trop bon, les onion rings. Elle est folle. Oldham, you're a threat? CRM doesn't take chances, but I did. Ouais, elle l'a protégé. Why aren't you working? CRM, I'm signing up and I'm gonna move up. This place has a 500-year plan. C'est ouf parce que les problèmes en interne, ça va être incroyable. Michonne, Jadis, Pearl, Rick, le Major. You, Michonne, me. And for you two, that you will not try to leave again. C'est plein de tensions. What's your choice? Anything. Ah putain, j'adore cette femme. Jadis, elle est loin d'être con, elle sait tout ce qui s'est passé en saison 7, 8, elle était là. Ok, bien, bien. Moi aussi, je vous aime, la team Natsu. They can't stop us. Les dialogues, c'est de l'épique. Voilà, les dialogues sont faits pour que t'aies des frissons à chaque fois. Elle peut pas s'en empêcher. Elle peut pas s'en empêcher. And that night, he could have made sure he'd see her again. But the truck was caught in some of the bombings by our former illustrious Admiral Hugh Mercer's sword. Mercer had different lives. He fought on different sides in different wars. It lowered Okafor down from the sky. Excusez-moi, c'est pour me faire du mal. C'était un roi, quoi. C'était. Who is the stupid man? Them you two weren't going to be worth the trouble. Made a mission to prove me wrong, right? Yes, sir. Oh là là, c'est. Tu sens que chacun a son rôle à jouer, en fait. I'm going to need you to take over logistics at Cascadia Ford operating base. Moi, je pense que le Major a réellement un coup d'avance, hein. Vraiment. Il est loin d'être con, enfin. Je pense qu'il sait qu'il y a des choses qui se trament. Il a jamais agi contre Okafor. Pour moi, ils sont quand même assez cramés, hein. Surtout qu'ils savent qu'ils sont observés, etc. Donc. After post-task health check, go to Consignee Fitness, locker 678. Ça me paraît beaucoup trop facile, ça. Ce qui est ouf, c'est que on a des décors super simples, mais ils fonctionnent très bien. Ah, ce sont des consignataires. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est pour la protéger, bien sûr, mais c'est trop triste, en fait, pour elle. Elle doit se dire, putain, je me casse le cul depuis 2 heures à venir le chercher, et l'autre enculé, il me laisse ici. Il me demande de repartir. Donc, Michonne est dehors. On rigole, mais Jadis, elle se met dans une sauce terrible aussi, hein. C'est vrai qu'elle a une coupe de cheveux de merde, mais qu'est-ce qu'elle a du flow, qu'est-ce qu'elle est charismatique. Je pensais qu'elle serait partie, mais qu'elle resterait aux alentours, en fait. Ah, ça crée un peu de tension entre eux. Ouais, ouais, c'est très... Non, faut le dire, l'endroit fait rêver, en fait. Always you and the girl. He would come every few months and ask for a new one. There was a...
His name was Carl. Oh. You're more open. ça marche direct. Ouais, c'est beau. Hein. Ça fonctionne. Now I'm looking for a choice. Come with us. This is not the moment for humility, Dana. I'm a survivor. You may be being helpless. Ah, c'est vraiment le go trick, tu vois. There is only one way to get those answers. Those secrets. Only. Merci de nous rappeler qu'au café est breach on the perimeter bars with scatters already incurring. That is the obstacle. Consigny, stay on formation. I want. I said you off the line. Stay there for no kills. Quelle reine. Ah, Michonne, c'est la reine de ce monde, hein, de toute façon. Excellent. Eux, c'est jamais le bon moment avec eux, putain. They'll find us. They will. We follow a chain of command, or order fails. She went. We need to take care of this. Us. You better understand. You should come take a look at my quarters. Beautiful view of the Cascades. Elle a trop envie de le soulever. She hasn't seen me. Matter. You're going back to base right now. Then I'm getting you the hell out of here. If I have to knock you up. Et quels sont les cons qui ont choisi de partir avec un temps pareil? I don't know if we'll be back. Bon, c'est un excellent épisode malgré qu'il ait un rythme beaucoup moins soutenu que les deux premiers, mais c'est normal, faut bien se poser pour travailler les personnages, travailler l'intrigue. Je vous cache pas que je m'attendais pas à cette fin d'épisode. Je la trouve un peu brutale quand même, et un peu... Bon, dans le sens où on nous habitue depuis le début à des côtés un peu what the fuck, un peu hollywoodien. Là, elle ouvre la porte, tous les deux, ils jettent. Bon, ça fait un petit peu, vous savez, le couple qui se jette ensemble dans l'inconnu. Donc, il y a une certaine... De toute façon, en vrai de vrai, il y a une certaine poésie qui se dégage d'absolument toutes les actions de Rick et de Michonne, ainsi que leur dialogue. Donc, ça me dérange pas, parce que ce matin, j'ai vu quelques critiques comme quoi c'était chiant et long. Non, excusez-moi, là on est sur 48 minutes d'épisode, il se passe plein de choses, malgré que ce soit pas rythmé. Les personnages sont super intéressants, Pearl, Michonne, Jadis, Bill est encore très discret, alors qu'on est à l'épisode 4 la semaine prochaine. J'ai du mal à me dire qu'il y a une conclusion en seulement 3 épisodes maintenant, à partir de la semaine prochaine, c'est inconcevable pour moi. Il y aura clairement une saison 2 où... En tout cas, une suite à cet arc. Pourquoi pas le crossover géant de Scott Gimple. C'était très bien, beaucoup plus posé. Donc effectivement, cet épisode-là prête moins à faire une réaction. Mais il y a beaucoup de choses à analyser, notamment la dramaturgie des personnages. Il y a pas mal de petits indices ici et là. Bon, alors, il y a quand même, voilà, je le dis, même si c'est très bon en soi, hein, je chipote un peu, quand même pas mal de facilité... pour des gens qui sont surveillés H24, où on sent que le Major a un train d'avance sur eux, je trouve que Rick et Michonne se retrouvent très facilement tous les deux, etc. Ils sont à l'aise, quoi. Ils sont pépères, ils peuvent faire leurs petites affaires tranquillement. Mais c'est pas très dérangeant, là, je chipote, parce que c'est vrai que par moments, je trouve que c'est assez visible. On reconnaît bien la patte de Matthew Negrete. Donc, Negrete est un scénariste qui accompagne souvent Scott Gimple dans l'écriture. Il a écrit le 9x5 et il a été showrunner de World Beyond. C'est lui qui a écrit les meilleurs épisodes de World Beyond. Et on peut avoir... Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais on peut avoir une vibe World Beyond saison 2, les meilleurs épisodes, dans cet épisode 3.
C'est-à-dire que pas mal de personnages, pas mal de conflits de moralité, pas mal aussi de questions sans réponse. On essaye de comprendre les personnages, ce qu'ils cherchent réellement. On sait que Michonne veut repartir, que Rick aimerait aussi, mais malheureusement, il a une mission. Il cherche à protéger Michonne de cet endroit-là. Pearl, elle veut à tout prix honorer Okafor de la mission qu'il lui a donnée. C'est-à-dire que jadis, si le major ou autre apprend les magouilles avec Rick, elle est dans une sauce. Elle. C'est un grand jeu de cartes. Chacun a sa main et dépose ses cartes petit à petit et tout est en train d'exploser. Alors Michonne a clairement joué tout son jeu à la fin de l'épisode. En tout cas, le cliff est très cool, hein. Ça donne envie de voir la suite quand je vois le petit teaser. Mais on en parle demain dans l'avis et analyse et explication, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. On n'oublie pas le petit pouce bleu, très important pour la chaîne. On se voit donc demain à 17h pour l'analyse de l'épisode 3. Portez-vous bien et à bientôt.